Allez, salut à tous, c'est Nixon sans chambre pour l'épisode 3 de Millénaire saison 3. Toujours le 3. Et donc la dernière fois, ok, on doit aller par là-bas. Donc la dernière fois, on était toujours en exploration, excusez-moi. D'un village. Par là, c'est de la neige, je suis pas tellement fan, hein, vraiment. Donc ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la maison. Donc je vais vous couper le passage. Pour éviter que ça soit un peu plus chiant, quoique je sais pas si je suis super loin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans l'autre côté en coupant. Parce que bon, je vais pas non plus vous montrer des vidéos où je marche, hein, tout simplement. Et puis dès que je trouverai quelque chose d'intéressant, je reviendrai vers vous. Juste avant, bah, je vais parler de ça pendant que je suis en train de rentrer. Donc j'ai fait la vidéo découverte de la 1.4.2, donc vous l'avez eu, c'est bon. Et attendez, j'ai déjà vu ça. Non, il y a du charbon, ça c'est pas mal. Hop. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? J'ai réfléchi que c'était un petit peu deck de pas l'avoir à la 1.4.2, donc dans cette saison 3. Donc je vais essayer de suivre l'évolution des mods. J'aimerais vraiment, vraiment passer en 1.4.2. C'est chiant parce que j'ai l'impression qu'ils sortent de plus en plus souvent les mises à jour Minecraft. Après, c'est peut-être moi qui suis décalé, non, je sais pas, enfin bref. Voilà quoi. Les mods n'ont pas le temps de se mettre à jour en nouvelle version alors qu'il y en a déjà une autre qui arrive, donc du coup on n'est jamais vraiment à jour. Ah, ouze. Et donc voilà, ça c'est un peu chiant. On va tout prendre, hein. Parce que le charbon c'est toujours utile. Si à un moment il leur faut de la stone, il va falloir que je fasse cuire de la cobble, donc. Alors encore 3, histoire qu'on arrive à 50 et puis, puis ça sera bon. Puis ça me fait XP. Donc, ouh, what the fuck? Je suis rentré dans un bloc. Donc, on va rentrer chez Bibi. Donc, j'habitais plus par là-bas. Hop. Et puis, donc, je vais partir dans l'autre sens, histoire d'explorer. Ouais, c'est bon, il y a l'espèce de fruit. Ma maison doit être juste juste là, plus par là-bas, non? Ça doit être plus par là-bas. J'ai dû trop me décaler. Oh là là, je commence déjà à me perdre. Ça c'est mauvais. Ça c'est très mauvais. Je suis totalement perdu là. Je sais pas du tout où je suis. Enfin si, je suis dans une forêt, mais ça m'avance à rien. Ah. Alors attendez que je réfléchisse. Par là-bas c'était la plaine. Donc moi j'habitais pas vers la plaine. J'habitais plus vers par là. Wow, une grotte. Moi je devais habiter derrière l'espèce de grosse colline. Alors on va essayer de monter derrière cette grosse colline. On va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas. Hop. Ok, on y arrive. Ouais. Vas-y, casse. Voilà. Alors moi, je dois être quelque part autour de ça. Parce que là, je suis en hauteur. Donc si je retrouve pas ma maison alors que je suis en hauteur, ça me dit vraiment rien. je commence vraiment bien l'épisode 3 là. En me perdant totalement. Ah, un ocelot. Oh merde, mais où je suis? Je suis mais alors totalement perdu quoi. Pourtant j'ai suivi la flèche donc j'aurais dû retrouver ma maison assez facilement. Par là-bas je crois. Par là-bas ça me plaît bien là. Non, pas du tout. Ok. ça me plaît pas ça.
Ah là là. Je suis mauvais, je suis mauvais. Par là, il n'y a rien. Non, j'ai jamais vu ces terrains de ma vie, mais... Oh là là, c'est affligeant. Affligeant. Aïe! Même pas. Bon. On va aller plus par... Par là-bas. J'étais un peu plus enfoncé dans la jungle, hein. J'étais beaucoup plus loin. Désolé. Là là. Ah! Je l'ai vu ça! Enfin, je crois dans l'épisode 2. Non? Non? Oh putain, il va faire nuit. Oh, j'ai pas d'épée. Ouh là là, ça pue pour moi. Ça, je suis persuadé de l'avoir vu. Ah non, j'en ai vu un autre, mais c'était pas le même. It isn't the same. Oh, un coffre. Oh bah attendez, eh, ça vous dit pas quelque chose? C'est exactement le temple dans lequel on a... Qu'est-ce qui me fait? Il est bloqué ou quoi? C'est exactement le même temple dans lequel on a fait la saison 2. Allez, tu y arrives. Ouais, vas-y. Ouais, tu y es presque. Vas-y. Il y avait rien dedans. Mais ils sont buggés ou quoi? Ah non, d'accord. Du coup, je me suis fait un peu... Ah mince. Bon, tant pis. Et donc là, si je me rappelle bien, il y a, voilà, des fours et des coffres. Rien dedans. C'est pas mal. Que dalle. Que dalle, que dalle. Désolé. On va profiter pour se faire une épée. Mais il me manque un de cobble. Ah merde, ça c'est de la stone brick. Tac et tac tac, une épée, voilà. Bon. Il n'y avait pas des trucs derrière ça d'habitude. Enfin, je sais pas, on avait trouvé une caverne, mais du coup ça m'intrigue en fait. Non. Bon, on y va ou pas? Que je mange un coup avant. Ok, c'est parti. Du coup, on va partir plus par là-bas parce que ça me dit rien. Là-bas, il y a un zombie. Oh là là, qu'est-ce que je de... J'ai des mauvaises idées, moi, mais vraiment. Foiré, va. Crève. Alors. Par là, ça me dit rien. Oh là là, ça me dit vraiment rien tout ça. Mon avis. Ah, attendez. S'il y a un lac avec la prairie. Ah, si, ça va être bon là. Ouais, si, c'est bon. Je suis tout droit par là-bas. C'est. Ok, ouais, en fait, j'étais plus loin. Ok, bon, bah, désolé, j'ai fait le nick. Je me suis perdu pour rien en fait. C'est juste que j'étais complètement perdu, ouais, du coup, mais. En fait, j'aurais dû aller plus loin, quoi, dans la forêt, dans la jungle. Ouais, voilà, il y a la lumière, c'est bon. On est chez nous, bon. Ce que je fais du coup, c'est que je rentre, je dors. Et puis je vous reprends dès que je trouve un truc intéressant. Il y a des araignées partout. Ok. Allez, je vous reprends. À tout de suite. Allez, on se retrouve. Donc j'ai été par là-bas tout droit, et c'est un océan gigantesque. Donc ce qu'on va faire, là j'ai commencé à remplir mon inventaire. On va aller par là-bas. On avait trouvé un village. Donc on va aller faire ça. Donc là je suis en train de faire cuire mon fer. Et je vais essayer de prendre un maximum de ce qu'il y a dedans. J'ai vu que j'ai des pommes en or, ce que pour les prendre ça va être galère. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ça en nuggets. Donc il va m'en falloir... 4, 5, 6, 7, 8, ça devrait le faire tout ça, je pense. Voilà, comme ça. Ah non, il va me manquer un. Voilà, on va se faire des pommes en or. Ouais, bon, à la limite, je peux laisser une pomme, hein. C'est pas très grave.
Donc, du coup, les bâtons, on n'a pas besoin. On reprend ça. Peut-être en laisser un. Voilà. Le lit, j'ai de quoi en faire d'autres. J'ai de la laine. Donc, ça, j'en ai pas besoin. Ça, je peux le laisser ici au cas où c'est de la bouffe. Mais j'ai déjà pas mal de bouffe. Je vais prendre un seau d'eau quand même. De la redstone, je peux la laisser. J'ai pris ça. Alors, le cuir, ok. Ça, c'est de la bouffe. Je prends la pomme, je dis que je pouvais la laisser. Chair putréfiée, ça, je peux la laisser. Niveau bouffe, j'ai ça, donc c'est pas mal. Les algues, je sais pas trop ce que c'est. Ça, je peux le poser. De la bouffe, du charbon, ok. Là, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre prendre? Cactus soupe, c'est de la bouffe. Des flèches, du fil au cas où, non? Je peux me faire un arc à la limite. Ça sera fait. On va faire ça. On va se faire un arc. Tac, tac, tac. Voilà, on prend les flèches. Puis tout le reste, on s'en fout un peu. Ça, c'est encore de la bouffe. Un levier, tout ça, on s'en fout. De la bouffe, de la bouffe. Oh, le blé, faudrait que je le prenne. À la limite, il y a du pain là. Alors, on va transformer le blé. Ok. On va prendre le pain sur nous. Donc, ça, on va laisser du coup. Qu'est-ce qu'on va pouvoir poser d'autre? Crème de champignons. Ça, on pose. Tout ça, on va laisser ici. On va prendre une selle au cas où. Des graines de blé, c'est facilement récupérable. Donc voilà. Le lit, je peux en refaire un, j'ai dit. Même si ce serait pas mal d'en reprendre un ici. Voilà, limite. La selle, c'est pas super utile, hein. Donc hop, on récupère ça. J'ai pas faim. On finit le fer. Et puis tout ça, c'est ok, je peux y aller. Et bah c'est parti. Je vous reprends quand je suis arrivé au village qui est donc dans le désert, tout là-bas, à Pepoushnok. Allez, à tout de suite. Ok, on se retrouve, on est bientôt au village. Il est juste là, donc on avait vu un bâtiment comme le mien juste à côté, il me semble. Ouais, parfait, il est là. Et bah voilà. On va prendre ce truc-là comme chez nous. Voilà, on est chez nous. Du coup, ici, on va boucher. On va prendre le lit, on va le poser. Hop, et le coffre, on remplit tout. Ça, c'est plutôt combat, on va le garder là. Le fer, tout ce qui est minerai, on va poser ça ici. Peut-être refaire quelques torches au cas où. La bouffe, la bouffe, la bouffe. Ça peut-être le mettre à cuire. Ça en pose, ça en pose. Hop, hop, hop. Et ça aussi. Et ok. On va prendre de la pierre au cas où. Alors, j'ai pas de workbench. Ok. Ok, on se retrouve. J'ai totalement crashé. J'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Donc, j'ai dit. On va se refaire une hache, plutôt une pioche. Non, pas en bois. En pierre. Pierre. Ici, on avait dit qu'on se mettait à cuire les steaks et qu'on se referait quelques torches. Voilà, parfait. Pioche, pelle. Pioche en bois au cas où. La bouffe. Ok, bon. Du coup, on a un chez nous qu'on va un peu éclairer. Pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Voilà. Et on va aller voir nos petits amis du village. Hop. Comme ça, la nuit, on aura un parcours tout tracé. Coucou le bûcheron. Bonjour, monsieur le village. Donc, on va aller voir de quoi ils ont besoin. Et puis, bon, on va commencer à les aider. On va aider eux, du coup. Hein. Faute de mieux, je continuerai à explorer à la limite. Il est où leur bâtiment principal là? Là.
Alors, de quoi avez-vous besoin? Du bois, du bois. Ils ont besoin de bois. Bois de chêne, donc. Bois de chêne, c'est du bois normal. Donc, du bois comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il me faudrait quelques saplings, voilà. On va même prendre celui-là. Il a pas une barrière pour entrer là-dedans, lui? Voilà. Bon, c'est pas grave. Comment on ressort d'ici? Là. Hop. Et on va aller sur notre plantation d'arbres chez nous. Non, pas ici, c'est nul. Hop, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Et des petites torches. Ok, ça c'est éclairé, je pense. Du coup, on va rentrer, on va dormir. Ouais, il y a beaucoup de monde quand même, hein. Beaucoup de monde. Oula, frappe, c'était coupé, j'ai pas compris. Donc, pendant qu'ils sont en train de brûler, on va aller. Oula, désolé. Ah ouais, qui part en sleep, encore un peu malade. Forêt. Oh, un creeper. Ok, c'est pas grave. La prochaine fois, je l'aurai. Hop, hop, hop. On va récupérer tout ça. Ah bah, il y a des nouvelles bestioles. Tiens, on va en tuer quelques-unes. Donc là, les bestioles du mode fossile archéologie. Ok. Les personnes, c'est pas grave. Donc, du coup, dans cette nouvelle journée, et puis bah pour commencer la fin d'épisode, c'est beau ça. Pour attendre que les arbres poussent et qu'on ait notre première récolte avec des saplings, tout ça. Je pourrais jusqu'à là-bas, mais j'ai la flemme, je vous avouerai. On va prendre le fer, faire des bâtons. Voilà. On va se faire une pelle, une pioche, une hache. Hop. Oh merde, j'ai fait une faux en fer. Oh le con. Ah c'est moche. Ah c'est moche de faire ça. Comment gâcher du fer? Bon bah c'est pas grave, on va la poser là. Hein. Alors voilà, je me fais un petit stuff. Ouais, j'aurais pu même pu me faire une épée plutôt en fer. Ouais, allez, on va faire tout ça. On va se faire. Ah bah mince. Alors attendez. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je disais une épée en fer, histoire d'être paré à l'attaque. Ça, on le pose au cas où. Donc, je vais avoir ma pioche ici, ma pioche en fer, pioche en pierre pour le début. La terre que j'aurais reposée, ma flèche. Ici, je voulais faire des torches. Voilà, on va prendre du charbon sur nous au cas où. Donc ça c'est à poser dans le coffre. Du bois qu'on va prendre au cas où. Et tout ça je peux poser. Et ça aussi. J'ai assez de bouffe. Ok. Bon, j'ai l'impression que les coffres sont totalement buggés parce que quand je les ouvre, il y a des chances que je crache. Là, je viens de cracher, j'ai vraiment pas compris. Comment ça me saoule cette histoire? Faut que je vois comment ça marche parce que. À pas le faire, ça crache tout le temps comme ça. Que les os. J'en ai 10 là-haut. La terre, à la limite, je pourrais la garder. Au cas où. La pelle, ça, on s'en fout. La hache, on la pose pour tout à l'heure. Et on va recommencer une mine. Donc, je vais vous couper, bien évidemment, l'essence de minage, hein, comme prévu. Ce que vous m'avez dit que ça servait à rien que vous la regardiez, tout ça, tout ça. Donc. Je vous couperai l'essence de minage, évidemment.
Et donc, on va juste se faire. Voilà, je vais commencer le tunnel avec vous, mais. Je vais vous laisser pour la suite du creusage. Donc, à partir d'ici, voilà. Bah, dans l'épisode 4, d'ailleurs, je vais vous laisser. J'ai miné en off, et puis dans l'épisode 4, bah, on fera le point sur tout ce que j'ai trouvé. Et puis, on ira voir notre petit. Comment ça s'appelle? Notre petit village. En lui vendant le bois qui est en train de pousser normalement. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, rejoindre la page Facebook et à me dire pourquoi je crache quand j'ouvre des coffres. Allez, salut à tous.